Le haut commissaire de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été reçu par le Premier ministre de la Transition. Les questions de coopération économique et du processus de transition ont figuré en bonne place lors des échanges presse primature. Le chef du gouvernement de la transition, Raymond Dong Sima, et son hôte ont d'abord échangé sur le processus de transition en cours dans notre pays. Le soutien du Commonwealth a été passé en revue. On a eu une bonne discussion sur le soutien du Commonwealth et du Royaume-Uni vis-à-vis de la transition. Le Premier ministre m'a parlé des milestones, des étapes dans cette transition. Et le Royaume-Uni est prêt pour soutenir le peuple gabonais dans cette transition. Au plan national, les investissements britanniques annoncés pour booster le développement du Gabon ont ensuite été parcourus. Ils portent pour l'essentiel sur le commerce. Et on a aussi parlé des projets que le Royaume-Uni et le Gabon ont ensemble et l'espoir d'avoir plus d'investissement des entreprises britanniques ici. On a eu une délégation d'une 20 entreprises qui sont venues le mois dernier et donc on continue avec ces discussions maintenant pour voir les chemins possibles pour ces investissements. D'autres sujets d'intérêt commun ont été aussi abordés au cours de cet entretien. Le Premier ministre de la Transition a réitéré à son interlocuteur l'ambitieux programme de développement inscrit dans la feuille de route du gouvernement.